Bienvenue dans ce nouveau podcast Qu'est-ce qu'on boit? Une présentation du Laboratoire du Brasseur, la brasserie artisanale, la micro-brasserie artisanale de la ville de delson Dans ce podcast-ci, on va vous présenter les bières euh, qui sont sur le menu, mais aussi l'histoire derrière ces bières-là, aussi les cocktails que vous pouvez voir au Laboratoire du Brasseur, de où qui vient, pourquoi on a décidé de faire ce type de cocktail-là, et vous expliquer tout simplement les histoires derrière les boissons que vous allez boire ici au Laboratoire du Brasseur. Bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Qu'est-ce qu'on boit? Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous présenter un petit peu plus euh, la personnalité derrière euh, le laboratoire du brasseur. Pourquoi on a décidé d'appeler ça le laboratoire du brasseur? En combien de litres qu'on brasse? Beaucoup de personnes se posent la question les bières sont-elles fabriquées ici? Parce qu'on a un petit pub de seulement 14 personnes ici pour vous présenter nos bières qu'on fabrique. Bientôt, les bières vont être aussi disponibles en canette. On travaille fort pour pouvoir remplir le pub le plus possible pour vous permettre d'avoir de la bière de qualité quand vous, allez venir, quand vous allez venir consommer ici. Principalement, le laboratoire du brasseur, c'est quoi? Pourquoi le laboratoire du brasseur? Si tu ne le savais pas déjà, ben, je suis propriétaire de la boutique Le Brasseur Adelson. C'est une place qui permet de faire ta bière maison. Alors, on vend l'équipement, la matière première. On a un site web qui est le www lebrasseur.ca Et tout simplement, ça vous permet euh, d'acheter votre matière première, votre équipement et vous pouvez faire les mêmes bières. Au Brasseur aussi, on donne des ateliers de brassage. Ça veut dire que tu pourrais venir brasser ta bière dans nos équipements, avec tes amis et repartir avec le mou à faire fermenter. On travaille sur une nouvelle formule présentement, mais euh, ça viendra pour un autre podcast. Alors, de cette façon aussi, le monde me posait beaucoup de questions. Oui, mais tu sais je vais faire euh, 23, 50 ou 100 litres est-ce que c'est possible de goûter ta bière? Malheureusement, au Québec, c'était vraiment compliqué de faire goûter nos bières aux personnes parce que ça prenait un permis de fabrication. Et c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'ouvrir une microbrasserie. Mais pourquoi le laboratoire du brasseur, vous allez dire? Tout simplement parce que le laboratoire du brasseur, ça s'appelle le laboratoire parce que c'est un laboratoire. Hein? Ça fait tout assez de laboratoire là-dedans. En gros, on veut vous montrer différentes sortes de bières. Alors, on peut passer d'une Merzen à une Cremel tout en passant par la NEIPA ou une West Coast IPA et vous présenter ces styles-là comme qu'il doit être fait. Euh, ici, au laboratoire du brasseur, on va faire aussi des tests. Ça veut dire que qu'une bière avec trois ou quatre ou cinq levures différentes dans différents brassins va vous permettre de connaître un peu plus vos goûts, qu'est-ce que vous aimez, plus de sucre résiduel, moins de sucre résiduel et tout simplement tout ça en consommant une bonne bière. Toutes les tests qui vont être faits ici vont être présentés sur le podcast du brasseur. Alors, si tu ne savais pas on avait un autre podcast, oui, c'est le podcast du brasseur avec mon ami Kevin Fu. Euh, certaines de ces bières ici sont aussi disponibles. Alors, des fois, tu vas avoir des bières du, de bras, du brasseur, du laboratoire du brasseur, et d'autres fois, des bières présentées par la brasserie Rivens, la nouvelle brasserie, Picot brasserie ou test brassicole, si vous voulez, de mon ami Kev. Ces verres sont disponibles ici au laboratoire du brasseur, et c'est possible de vous procurer des fois des bières sur le table de lui. Éventuellement, aussi, il va y avoir des cannes. On travaille très fort, comme je vous dis, pour pouvoir vous présenter certains produits un peu exceptionnels. Le laboratoire du brasseur, c'est quoi? C'est vous présenter des bons cocktails aussi. Euh puis là, bon cocktail, je dis pas que des rum and coke, c'est pas bon, là, mais c'est pas ici qu'on veut, c'est pas quest ce qu'on veut représenter dans notre place. On va boire des paper planes, des old-fashioned, des negronis, etc. Il y a plein de cocktails qui existent et j'aime ça faire découvrir, faire découvrir des nouvelles saveurs à du monde. Et souvent, c'est des cocktails faciles à réaliser à la maison. Alors, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir les faire aussi parce que dans ces podcasts-ci, on va non seulement vous expliquer l'histoire du cocktail... Mais aussi la façon et les quantités que vous pouvez retrouver dans la description des nombres d'onces ou de millilitres, si vous voulez, pour créer votre cocktail. Et si vous l'aimez, ben, je vais être vraiment content de vous avoir appris à faire un nouveau cocktail ou une nouvelle potion pour déguster. Si tu es tenu de boire de la bière, ben, quand est-ce qu'on est tenu de boire de la bière hein? Entre toi et moi, c'est vraiment pas souvent. Alors, pour le monde qui se pose la question, pour l'instant, je suis seul pour faire les podcasts, mais dans certains cas... On va avoir des podcasts avec des invités. On va vous présenter certaines personnes. Des fois, ça va être Jen, notre serveuse qui est ici euh, du vendredi au samedi, qui va pouvoir vous présenter des fois des petites anecdotes qui se passent euh, au laboratoire du brasseur. On va vous présenter ses drinks préférés parce qu'elle euh, boit un petit peu moins de bière. Ça fait peut-être un vin qu'on va avoir en disponible, qu'on va pouvoir vous présenter aussi, ou un cocktail qu'elle aime bien faire ou qu'elle aime bien boire quand elle arrive. Ça fait qu'on va avoir différentes personnes. Peut-être que Kevin Fu va venir aussi sur cette chaîne-là faire une présentation de ses bières éventuellement. On a des mixologues aussi qui vont venir et parfois même des clients qui vont pouvoir participer à notre podcast. C'est un podcast qui se veut hebdomadaire. Ça veut dire qu'à toutes les semaines, on va faire une petite vidéo, un petit podcast qui va être présenté aussi sur notre chaîne YouTube, Le Brasseur. Alors, si tu veux avoir plus l'image, voir qu ce qui se passe derrière tout ça, ben, tu as juste à te présenter au Brasseur sur YouTube et on va avoir une section podcast Qu'est-ce qu'on boit et tu vas pouvoir toutes les regarder si ça te plaît. Présentement, sur le tap, on a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Présentement, au Tap Room, on a 11 bières de disponibles. Alors, dans une palette de goût, une palette de, de différentes, euh, différents goûts, différentes couleurs, différentes euh, textures. Alors, si tu veux venir découvrir des bières, 11 bières sur le tap, 11 bières différentes. On passe d'une blonde elle, qui est la Labo 81 à la pelle anglo-américano. C'est quoi ça? Bien, tout simplement, c'est une bière blonde, un petit peu plus houblonnée, qui ont des grains anglais, mais qui vont avoir des, euh, des, des houblons euh, américains. On va avoir une brown L qui est vraiment dans le style. Vraiment, vraiment, si tu aimes les brownells, viens goûter notre brown Elle est disponible. Il reste seulement un keg, alors fais vite. On a une merzen qui nouvelle, on a une creamel aussi, une blanche à l'orange, la traditionnelle blanche à l'orange que j'ai faite des centaines de fois en mou du vendredi, sont aussi disponibles ici. On a une New England IPA, une West Coast IPA. On a une stout poussée à l'azote, une choco stout poussée à l'azote, un petit peu plus de caramel dedans. On a aussi une euh, West Coast IPA, je sais pas si je l'ai dit, une New England IPA. On a une euh, Irish Red Ale aussi, puis une Colch. La fameuse Colch que j'ai faite des milliers de fois, celle-là, est disponible ici au Laboratoire du Brasseur. Dans les cocktails préférés, on a le Pepper Plain qui est un de nos grands succès. Euh, on va faire un podcast spécialement sur le paper plane puis une sorte de bière. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous présenter un petit peu le podcast. Dans qu'est-ce qu'on va s'en aller et quoi ce que ça va ressembler comme petite vidéo podcast, broadcast que vous pouvez écouter tout simplement euh, soit dans la voiture ou soit avant de s'en venir. Alors, si tu te demandes un petit peu euh, qu'est-ce qu'on a sur le tap, euh, les nouveautés qui vont être disponibles. bien, à toutes les semaines, on va vous expliquer une nouvelle bière et un nouveau cocktail. Ou juste une bière, ou juste un cocktail, tout dépendant quelle longueur la vidéo va avoir. Et ça va vous permettre vraiment de bien comprendre. C'est quoi le laboratoire du brasseur? C'est qu'est-ce que tu vas venir boire? L'ambiance, on va essayer de faire des petites euh, sections si le monde est intéressé à se faire filmer. Mais ben, peut-être montrer un peu c'est quoi l'ambiance qu'on a ici. Euh, ici, le laboratoire du brasseur, c'est tout le temps un peu du Irish qui joue, du punk rock qui va jouer. Euh, années 90. Alors, euh, si c'est le style de musique que tu aimes, ben, bienvenue dans notre monde. On a deux types de verres disponibles. On a notre fameux 13.5 once qui est disponible en verre régulier ou les testeurs à 4 onces. Toutes les deux sont disponibles au laboratoire du brasseur. Alors, si mieux regarder pour goûter toutes les bières ou quelques bières qu'on a avant d'avoir un verre, bien libre à toi, on a les deux formats disponibles. Ici, on n'a pas de pinte encore. Ça fait partie un peu du concept de boire avec un verre. Euh, J'ai choisi les verres. Mes, mes verres préférés, ça fait vraiment longtemps que je bois dedans et j'ai décidé d'utiliser ce type de verre-là. Ils sont vraiment minces, puis j'aime vraiment la forme. Il y a un pied pour pas réchauffer ta bière. Si tu veux réchauffer ta bière, tu peux mettre ta main alentour. Alors, je trouvais que c'était le format idéal pour toutes les sortes de bières qu'on a ici durant l'année, on va avoir différentes euh, sortes de bières qui vont ressortir. Fait que je vous disais des tests. Oui, il va y avoir des tests. Il va y avoir des tests de houblon. Alors, vous allez savoir quelle sorte de houblon vous préférez dans votre NIP. Il va y avoir des tests de levure aussi. Pour vous expliquer qu'il y a une 400, 500 sortes de levures différentes à travers le marché. Et étonnamment, beaucoup de monde trouve la différence entre deux levures. On a fait, au début, qu'on a ouvert la MRB avec une levure de G01 d'Imperial East, qui est la puis on l'a fait avec la Fruity, puis la classique d'Escarpment, de, de et les trois sortes de bières qu'on a vendues, chaque personne pouvait déceler une différence, et certaines personnes aimaient mieux scène d'Imperial, d'autres aimaient mieux celle d'Escarpment, et tout simplement parce qu'il y avait des goûts différents, des sucres résiduels différents, et ça fait en sorte que vous avez la possibilité de savoir qu'est-ce que vous aimez réellement. Souvent, on parle de blanche aussi. On a une blanche à l'orange qui est sur notre tape. C'est une wheat beer qui est faite avec euh, une levure belge. Si vous préférez, des fois, on a aussi la Effeveisen qui va s'en venir. Le beau temps s'en vient. Ça va nous permettre de faire différentes bières, des différentes blanches. Et on va pouvoir vous expliquer aussi avant que vous venez la, la consommer si vous écoutez nos, nos, nos podcasts. Ben vous allez voir la différence entre un effet vasine, c'est une levure allemande, et avec l'effet vasine, qu'est-ce qui est vraiment sympathique, c'est qu'avec la même levure, on peut avoir des, un goût un petit peu plus épicé, clou de girofle, un petit peu de poivre qui va ressortir, ou complètement l'inverse, le petit goût de banane qu'on retrouve souvent, ou de gomme balloon tout dépendant à quelle section de ta tête ça relie. Moi, je trouve que ça goûte plus la gomme balloon mais il y a du monde qui trouve que ça goûte la banane. Alors, on va pouvoir voir aussi ces différentes choses là. Laboratoire du brasseur, c'est quoi aussi? Différents cours qu'on va pouvoir vous donner sur les dégustations. Alors, si tu es intéressé à suivre un cours sur les dégustations, ils s'en viennent à très grands pas. Au mois de mai, on commence nos premiers goûts. On va avoir un 4 ou un 5 faux goûts ou bons goûts à découvrir. Et c'est une manière d'apprendre à déguster de la bière et savoir s'il y a une erreur dans une conception ou non. Et savoir aussi les goûts, comment mettre le bon terme sur la bonne chose quand on goûte. Fait que, si ça t'intéresse, dites-moi en commentaire. Quand vous allez voir le cours arriver, juste vous inscrire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce type de cours-là. Si c'est de quoi que vous prenez en compte, oui ou non. Pour les heures d'ouverture, beaucoup de personnes se posent la question c'est quoi les heures d'ouverture qu'on va avoir? Tout simplement, je ne voulais pas en avoir au début. Hein? Fait que c'est un, euh, <laughs> un peu bizarre, vous allez dire, pas d'heure d'ouverture. On voulait dire, regarde. Quand vous êtes là, on est ouvert. Quand vous n'êtes pas là, bien, après une heure ou deux de ne pas avoir de personne, on ferme tout simplement. Mais je me rends compte que c'est un peu impossible à faire. Fait que j'ai décidé tout simplement de mettre des heures d'ouverture temporaires présentement. Alors, les lundis, on est fermé. Mardi mercredi, on est ouvert de 13h à 6h30. On reste des fois un petit peu plus tard. Par contre, on essaie de fermer aux alentours de 6h30. Jeudi, vendredi, samedi, on est ouvert de 13h jusqu'à 23h. Je vous le dis tout de suite, ça arrive très régulièrement qu'on est ouvert plus tard que 23h. Alors s'il y a encore du monde, si le monde consomme, si le monde a du plaisir avec nous, et nous on a du plaisir avec eux, bien on reste ouvert un petit peu plus longtemps. Et les dimanches présentement sont fermés. Ces horaires-là, c'est jusqu'à cet été car cet été, on risque d'ouvrir plus rapidement et ouvrir plus de journées. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient venir les dimanches après-midi et c'est quelque chose qu'on veut ouvrir. Par contre, on manque de personnel. Alors, si tu cherches un emploi, bien, tu peux communiquer avec nous, soit à, à euh, lebrasseur.ca ou à, info à commercial, euh, le laboratoire du brasseur le labo du lelabodubrasseur.ca Alors, c'est les deux email pour nous contacter. Beaucoup de personnes aussi ont vu qu'on a fait une bière pour l'Ukraine et vu que c'est le premier podcast, ben je vais vous le dire, je vais vous le présenter. La bière pour l'Ukraine est présentement en fermentation, on va y mettre son houblon à froid aujourd'hui. Alors, on va être prête dans deux semaines. Fait que dans deux semaines, on va pouvoir la mettre en keg et on va pouvoir la mettre en canne. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà réservé pour leur bière. Alors, si tu veux avoir euh, une canne disponible, juste envoyer un courriel, comme je vous disais, à info, à commercial, le labo du Et on va mettre les cannes pour toi. On va les garder de côté pour que tu sois capable d'avoir les cannes que tu veux. Ici, au pub, on va avoir deux, deux kegs. Fait qu'on va avoir 40 litres à boire. Peut-être qu'on va faire un soirée casse aussi en même temps à l'ouverture pour être sûr et certain de la, la dissiper le plus vite possible et que le monde puisse en profiter. Alors, on va avoir deux types de bières dans la même bière. Pour le monde qui se pose la question, c'est une Golden Ale houblonné, une genre de PLL houblonné, si tu veux. Euh, fait que l'amateur euh, de houblon, euh, ça va être une belle bière à vouloir découvrir. Et on va tout envoyer nos profits qu'on a faits euh, aux personnes qui sont en difficulté en Ukraine pour leur permettre de pouvoir soit s'habiller, soit se manger, soit se, le... se loger. Alors, tous les profits vont être envoyés à ces personnes-là qui sont euh, dans le besoin, puis qui, d'après moi, en ont beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. On fera un podcast juste avant la sortie de, ce, de cette bière-là pour vous dire exactement comment ça va fonctionner et s'il nous en reste beaucoup ou pas, s'il faut se dépêcher pour venir chercher vos bières. Alors, restez à l'affût sur les nouveaux podcasts qui vont s'en venir. Comme je vous le disais, on va essayer d'en faire un par semaine pour avoir vraiment l'ardoise complète qui sont disponibles et ça va vous permettre mais de ne pas manquer de bière et de vérifier les styles et les bières que vous aimez. Et des fois, même si tu dis Ah, moi, je ne pas trop sur ce style-là. J'ai le plus bel exemple hier, un monsieur qui est venu déguster nos bières, qui n'aime pas trop les bières roublonnées. Mais il a vraiment trippé sur nos, euh, notre West Coast puis notre euh, NEIPA. La Steam Ops et la Punk Ops. Et juste pour vous dire, la Steam Ops a 85 DBU et tout le monde fait comme. Wow. Alors, on a essayé de balancer les houblons le plus possible pour donner une bonne amertume, tout en remplissant la bouche de, de, de bons fruits tropicaux, si vous voulez, c'est ce qui va vous permettre de vous balancer un petit peu plus la bière. Et en finale, toutes les bières qui sont brassées ici, toutes les bières que vous allez bu, que vous allez boire ici ou que vous avez bu ici, ben sont disponibles au magasin du brasseur Adelson, juste à côté, la porte d'à côté. Fait que si tu brasses déjà à la maison ou si tu veux faire des tests de brassage, t'aimes vraiment ma Ma colche, un exemple, puis tu veux la brasser, on a juste à aller de l'autre côté et la recette est disponible au www.labrasseur.ca et tu peux la brasser avec notre kit de grains qu'on vient avant. Le kit de grains vient avec le grain, l'oublon, les adjuvants qu'on a besoin, tout est complet dans la petite recette et il te juste à la brasser. On a des, comme je le disais tantôt, on a aussi des activités brassicoles. Fait que si toi tu dis, j'aimerais ça savoir comment ça marche puis venir brasser, mais je ne veux pas m'équiper là, tu sais. Bien, les activités brassicoles, c'est fait pour toi, on a juste à venir avec un ami, on brasse, tu te fais fermenter chez toi, on te prête les choses pour embouteiller et par la suite, tu me rapportes mon matériel, tu laisses ça un deux semaines de fermentation, un, deux... un trois semaines de fermentation, un deux semaines en bouteille, tu rouvres, tu consommes, tu t'amuses, puis on peut vérifier des fois si tu as fait des erreurs en fermentation, si tu as eu des choses comme ça, mais normalement la chance du débutant fait en sorte que ça se passe vraiment, vraiment bien. Alors, c'est tout pour le premier podcast de Qu'est-ce qu'on boit? J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. Partage en grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite coche. Pour rien manquer de Qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. Et... On se revoit au Ciao!